Wow. Qu'est-ce que je suis en train de voir sur Meta? Les gars, qu'est-ce que je suis en train de voir sur Meta? C'est ce matin que je me connecte. Je suis rentré hier, trop tard, vers 23h. Vous avez vu quelques images samedi quand mon manager a posté. J'étais à l'ouest. Mais je peux vous rassurer que j'ai perdu l'une des plus belle opportunité de ma vie en ce qui concerne le showbiz, pour ne pas parler notre domaine de vlogueur. Vraiment, je ne sais pas comment je vais commencer ma vidéo. Je ne sais pas si je vais présenter les excuses auprès de mes followers, de mes fans, ou bien je vais plutôt présenter mes excuses auprès de ma lance. C'est pas pour dire que j'étais parmi les 5 grosses têtes de Malors, mais vous savez, quand j'ai posté les photos, comme je disais, j'ai lu un message, bon, pas un, il y a plusieurs. Quelqu'un a dit, est-ce que tu étais obligé de voyager? Tout le monde devait être à l'avenue Kennedy samedi, ça c'est clair. C'est une question récurrente, parce que c'est une question qu'on me pose constamment. Est-ce que tu es obligé de porter la caméra à Franco? Je profite aujourd'hui pour vous répondre, les amis, pour que vous ne me posez plus cette question. Sachez beaucoup plus, les benguistes, beaucoup sont prêts à tripler la somme que je demande pour couvrir un événement au cas où j'envoie mes techniciens. J'ai au moins deux caméramans dans ma structure. Je dis, beaucoup sont prêts à tripler même le prix à une seule condition, que c'est Franco qui porte la caméra. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a les gens qui me conditionnent que si tu ne portes pas, si ce n'est pas toi, Franco, qui porte la caméra pour couvrir mon événement, je donne le marché à quelqu'un d'autre. Je suis venu à Yaoundé chercher l'argent, les amis. Ça, c'est dingue. De deux maintenant, il y a mon petit neveu qui est parti, qui est mort. Et on enterrait hier dimanche. Donc, je couvrais l'événement. C'était en une pierre deux coups. Je couvrais l'événement le samedi, et le dimanche, j'étais à l'enterrement de mon petit-neveu, l'enfant de ma grande soeur. Donc, même si je n'avais pas un événement à couvrir à l'ouest, j'étais obligé de voyager pour dire au revoir à mon neveu. C'est ce que vous devez comprendre. Mais je dis, vraiment, je présente mes excuses auprès de mes followers. Comme j'ai dit, je n'étais pas parmi les 5 grosses têtes, mais beaucoup aimeraient voir l'exclusivité de ce qui s'est passé à l'avenue Kennedy sur ma page. Je vous assure, j'ai les larmes aux yeux. C'est juste qu'on ne voit pas les larmes d'un vrai homme. Un vrai homme pleure en interne. On ne voit pas ses larmes. Je vous assure que quand je regarde les images que je suis en train de présenter, donc quand j'ai regardé ces images, j'ai failli avoir les palpitations. C'est l'excès d'émotion. J'imagine si j'étais là. C'était une opportunité pour moi de collaborer ou de rencontrer, de discuter, de, je ne sais pas, avec mes collègues, avec les autres grands du showbiz. Vraiment, une très belle opportunité. Et ce que vous devez savoir, c'est que Malors a programmé le jour du tournage quand j'avais aperçu même l'argent de l'événement. Là, ce n'est même pas un problème. Je vous ai expliqué comment ça se passe avec certains de mes clients. Donc, vraiment, je suis désolé. Malors. Je t'ai appelé combien de fois, grand frère? Non, tu es vraiment Poutine. Non, là, je confirme, tu es vraiment Poutine. J'espère juste que, ensemble, comme on a commencé la collaboration, parce que vraiment, ça, c'est une première pour moi de voir vraiment les artistes réunis, presque la moitié des artistes camerounais, bon, disons ceux résidents à Yaoundé. Il y a même ceux qui ont voyagé depuis Douala. J'ai vu beaucoup d'artistes qui sont partis de Douala pour venir soutenir Malors. Pour ne pas parler de Prince Aimé avec le remix de Viviane. Waouh, Seigneur Jésus. Ma place, il fallait vraiment, ma place a manqué. Je devais être à l'avenue Kennedy. Là, je confirme. Moi-même, je ressens en moi. Ah, quelle opportunité. Quelle opportunité, Seigneur. Mais, Dieu a décidé que ce soit ainsi. C'est sorti. On a programmé un jour où je n'étais vraiment pas disponible, je ne pouvais pas être là. Je dis encore bravo à Malors, bravo à tous les artistes Prince Aimé et tous ceux qui sont venus soutenir Prince Aimé pour ce remix. Et quant à moi, je souhaite
que ce remix-là, la sortie du clip, fasse au moins 12 millions de vues en 24 heures. Là, pour que les Ivoiriens ferment leur bouche à jamais. Voilà, parce que beaucoup s'attendaient, parce que vous savez, j'ai été, je peux dire, l'un des piliers, donc l'un des blogueurs qui a beaucoup soutenu Malorf dans ce sens-là. Et il était vraiment inadmissible que on programme un truc de ce genre, je ne sois pas là. Je me dis que Malorf lui-même va un peu réfléchir, que, mais qu'est-ce que Franco joue à quoi concrètement? Je pense que à partir de cette vidéo, grand frère, tu as compris la raison pour laquelle je n'étais pas à l'avenue Kennedy. Parce qu'il fallait absolument vraiment ma présence. Quelqu'un m'a même écrit pour me dire, Franco, tu es hypocrite, tu fais semblant sur Facebook, mais quand on a vraiment besoin de te voir sur le terrain, tu n'es pas là. Mais je n'ai même pas répondu, mais j'ai lu le message, ça m'a un peu choqué. Donc vraiment, désolé encore, voilà donc la situation qui vous est présentée. C'était pas de ma volonté, mais nous restons ensemble. Nous restons ensemble, nous restons ensemble sur le projet, nous restons ensemble, on va soulever ce projet, ce remix de Prince Aimé Malors et les 5 grosses têtes jusqu'au ciel. Je pense qu'actuellement, si j'ai vu mes tas calmes, parce que depuis plusieurs jours, depuis presque 2 semaines, des posts bizarres, où sont les 5 basses têtes, machin, même débordé au Likoumfa. Oui, même le vendeur de terrain là, où c'est Tchesky, où c'est Tchesko, c'est quoi là. J'espère que lui-même, il a confirmé cette fois-ci qui est Poutine. Pour ne pas dire Malors, il a confirmé qui est Malors. Donc, on parle de Malors là, vous les Ivoiriens là, vous la bouclez. Vous la bouclez. Malors n'est pas votre camarade. Vous-même, vous avez vu, pas vos petits trucs que les Bordeaux allaient rassembler où c'était 100 personnes là-bas en Côte d'Ivoire, vous avez fait trop de bruit. Vous avez vu une Kennedy bondée, sécurisée par l'armée. Sécurisée par l'armée. Les gars, qu'on parle de Malors là. Prononcer Malors là avec beaucoup de respect, hein? Malors là, c'est pas ami de quelqu'un, c'est pas ami de quelqu'un. Donc, Malors, ma vidéo c'était déjà pour présenter mes excuses et te dire vraiment bravo et chapeau. Donc, je ne regrette pas de t'avoir soutenu. Tu as vraiment fait preuve de grandeur et c'est ce que j'attendais vraiment de toi, grand frère. One love et beaucoup de courage également à Prince Aimé. Nous attendons la sortie officielle de ce son. On va soulever ce son jusqu'au sommet, au sommet, jusqu'au sommet des sommets. C'est un général Franco. Ciao. Voilà, et je vais profiter pour chuter ma vidéo, pour faire un coucou à mes grands frères qu'on se retrouvait à l'Ouest ensemble lors de l'événement que je couvrais. Je vais citer Monsieur Bida Etienne, IPP, Colo, Dieudonné, Yaya Njoya, ce sont mes super fans. Voilà. En passant, on nous fait comprendre que la DV Loterie prend fin plutôt le 7 et non le 5. C'était prévu normalement le 5 novembre, demain mardi. Mais on a dit le 7. Bon, on n'a pas vraiment l'assurance. J'espère vraiment que c'est ça. Donc, vous avez encore 2 jours ou 4 jours pour rapidement, pour les retardataires, pour vous rattraper.